mes vapoteurs, bonjour. Aujourd'hui, review d'un net Naturally Extracted Tobacco de chez Azad, le Minuetto. C'est un shot 30 mm 10. Donc, quand je l'ai reçu, il y avait 10 ml d'arôme et j'ai rajouté deux boosters pour avoir un 30 ml en 12. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un propre distillati. Donc, c'est pas juste un macérat, c'est un propre. Donc, pas besoin de changer le coton à chaque fois. Et c'est un mélange de tabac. Dedans, il y a, alors, si je me rappelle bien, Cavendish, Burley, Oriental, Virginia, Latakia. Il y a 5 tabacs différents. Un micmac de tabac, je le vape dans le Bishop, le premier, pas le deuxième. À l'intérieur, j'ai un Nanofuse Clapton 2x30, 40, NI 80. J'ai un 0,91 ohm. Le café du Seigneur. Bon, il est propre. Il me reste plus que ça. Si on arrive à voir, du 30 ml. J'ai pas encore changé mon coton. Le coton, il est encore clean. Le coton, il est propre. Alors, est-ce que je suis capable de différencier le Cavendish du Virginia du... Non. Non. J'ai pas la science infuse. Bien infusé, assez infusé pour différencier tous ces tabacs. Mais je sens un peu le Latakia. Très très léger, le Latakia au nez. Je sens ce côté fumé du Latakia. Et le côté un peu sucré du Virginia. C'est un tabac très léger. C'est pas un tabac fort. C'est pas comme le Gran Reserva Latakia que j'avais vapé qui était très très fort. Celui-là, il est très léger. Au point que je me disais, est-ce que c'est un bon liquide? Parce que quand je l'avais nicotiné, je l'ai testé la première semaine, c'était de la base nicotinée. Voilà, c'était de la base nicotinée, il n'y avait pas de saveur. Donc celui-là, il a été nicotiné le 14 mars, on est le 26 avril. Je l'ai vapé bien avant, à peu près quinzaine de jours après, les arômes commençaient à se réveiller. Mais reste un tabac léger, c'est pas un tabac fort, c'est pas un arôme très fort. Pas sucré, un peu le sucre de la glycérine et aussi le Virginia qui apporte un peu ce côté sucré. Est-ce que c'est un tabac que je rachèterais? Il manque de caractère. Il manque de caractère et c'est un peu de la flotte. C'est tellement léger que après une petite gorgée de mon café au lait, c'est pas un espresso, il disparaît complètement. J'ai besoin qu'il soit un peu plus robuste, qu'il soit un peu plus manly. Il est vraiment léger. Et ça va, ça se vape bien, mais c'est pas mon préféré. Peut-être parce que c'est un distillati, c'est pour ça que c'est très léger. Ou alors une question de concentration, je sais pas, mais bon, voilà. C'est léger. Quoi dire d'autre? Bah rien, vive la vape libre et ciao!